Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui les Lunishmat Moshe Michael, Ben Aline Bachla Rachel, Peggy Batester, Robert Baruch, Ben Jamil Taraba Cohen, David Mefertin Zalfritna, Lucien Betraina, Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Michel Kodak et de la Féminité éternelle, nous étions Massachet Sota Peri d'Alek Mishnabet, Velu, Lo Shotot, Velo Notlot Kituba. Haomeret Tmea Ani Veshabaoula Edim Sheitmea Vaomeret Eni Shotav Vaomeret Eni Shotav. Amar Baala Eni Mashka, Veshe Baala Baale Abaderech, Notelet Ktubata Velo Shota. Metu Baaleen Ad Sheloshatu, Bet Shamayomrim, Notlot Ktuba Velo Shotot, Betilomrim, Lo Shotot, Velo Notlot Ktuba. On continue le sujet ouvert dans la Mishnah précédente, on n'en a pas encore plusieurs Mishnayot encore, voir quelles sont les femmes qui vont, selon le cas, ne pas boire, mais ne pas recevoir de Ktuba. Soit je m'explique. Une femme qui a eu un, qui s'est isolée avec un étranger alors qu'elle a été prévenue, alors le mari, maintenant, d'abord, on va commencer plus tôt. Chaque mari a le devoir que s'il divorce sa femme, même s'il la soupçonne de quoi que ce soit, il a le devoir, dans la mesure où elle s'est conduite officiellement, il n'y a pas de témoin, elle s'est conduite comme, plus ou moins comme une femme devait se conduire, eh bien, le mari a le devoir, tu peux divorcer ta femme si tu veux, mais dans ce cas-là, tu dois lui donner la ktouba. Tu t'es engagé qu'en cas de divorce, tu lui donneras tant et tant. Une femme qui s'est isolée, alors que le mari l'a prévenue de ne pas s'isoler, alors dès lors, elle ne doit pas recevoir de ktouba jusqu'à qu'elle va boire au Bet Amigdash, les eaux de la Sota, pour qu'on vérifie. Si elle avoue son écart, alors bien sûr, on va la renvoyer sans lui donner de ktouba, parce qu'elle a enfreint à son engagement de femme mariée de rester fidèle à son mari, elle a eu l'écart. Mais dès lors, en tout cas, dès qu'elle s'est isolée alors qu'elle n'avait pas le droit de s'isoler, elle est maintenant en situation, maintenant, elle se met dans le doute, on a un soupçon sur elle, justifié, on l'a prévenue, elle l'a quand même enfreint. Dès lors, son seul moyen de récupérer une ktouba dans la vie, c'est qu'elle aille avec son mari, c'est qu'elle aille au Beth Amikdash, qu'elle boive et qu'elle s'en sorte. Dans ce cas-là, si le mari décide malgré tout de la divorcer, c'est le problème du mari de nouveau, il devra lui donner la ktouba. Mais tant qu'elle n'est pas arrivée à cette situation-là, alors le mari devra. Le mari a le droit d'exiger qu'il la fasse boire. Et on entend qu'elle boive les eaux de la Sota, et si elle ne veut pas, elle perd sa ktouba. Et là, on est en train de découvrir dans nos Mishnayot des femmes qui n'ont pas le droit de boire. Donc dans ce cas-là, pas le droit de boire, mais malgré tout, elle s'est isolée comme c'est interdit. Elle va être divorcée sans ktouba. D'accord? C'est ce que la Mishnah continue en me disant encore. Au début, dans la Mishnah précédente, on a parlé d'autres sortes de mariages interdits. Maintenant, on va avoir des situations beaucoup plus simples. Velo lo shotot velo notlot ktuba, telles sont les femmes qui ne pourront pas boire, qui ne boiront pas, mais qui ne prendront pas non plus de ktuba, qui ne recevront pas de ktuba de dot. Pourquoi? A omeret tmea ani, la femme qui va avouer son écart, je suis impur. Ou bien encore, veshebaoula edim sheitmea, il y a eu des témoins qui sont venus, qui ont témoigné qu'elle était effectivement témoin, qu'elle était effectivement impure, elle s'est souillée, elle a eu l'écart. Là, il y a même un chidouche sur ça qui n'est pas précisé dans le Mishnah, mais qui est précisé dans la Bible. Même un seul témoin, cette fois-ci, il est cru. Si elle a déjà eu Kinou Yestir, a eu deux témoins que le mari lui a averti et qu'ensuite elle s'est isolée, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la chambre. Un témoin vient et dit, moi j'ai vu ce qui s'est passé. Et bien dans ce cas-là, elle ne recevra plus de Ktouba, le mari le divorce, on ne l'amène plus au Beth Amikdash pour boire non plus. Bon, Meret et Nishotar, il y a toute femme qui va dire que non, je ne veux pas boire. Pourquoi comme ça? J'ai pas envie. C'est rabaissant, c'est ce que tu veux. Divorce-moi, tant pis. Ben, le mari va la divorcer sans lui donner de Ktouba. Parce que pour le moment, c'est elle qui est en porte-à-faux. Elle est celle qui s'est isolée alors qu'elle ne devait pas s'isoler. Donc maintenant, elle a perdu sa ktouba jusqu'à qu'elle va nous prouver. D'accord? C'est un peu le principe qu'il y avait dans notre Mishnah, surtout dans la dernière partie de la Mishnah, mais on va y arriver doucement. D'abord, premièrement, deuxième situation maintenant. Amar Baala Eni Mashka, le mari dit à la femme, je veux pas, il dit qu'il ne veut pas la faire boire. Elle s'est isolée, elle m'écœure, ça fait déjà trop longtemps, elle est de toute façon, qu'elle a fauté, qu'elle n'a pas fauté, c'est plus mon problème. Moi, je le divorce. Dans une situation pareille, il devra la divorcer. Il pourra la divorcer s'il veut, mais en tout cas, il sera obligé de donner que tu vois. Pourquoi? Parce que la femme va dire, hey, tu me divorces, c'est ton problème à toi, c'est pas le mien. Moi, j'ai quelque chose à faire pour vérifier que je suis pur. Je suis prêt à le faire, partir de ta mine d'acheter de boire. Toi, tu ne veux pas m'amener, t'en as marre de moi. C'est ton problème à toi, tu dois quand même faire que tu vois. C'est des pures situation de dîner mamonote, de conflit entre deux personnes, un mari et une femme. Le mari, il s'est engagé de payer la femme en cas de divorce. Elle s'est conduite pas juste. La femme, elle dit, écoute-moi, moi je peux prouver ma blancheur. C'est toi, tu me dois
le montant qui est écrit dans la Ktouba, toi tu veux pas me le donner parce que finalement je m'interdis d'aller me faire vérifier au Beit HaMikdash. D'accord? Avec aussi encore Béché Bala, Bala, Abadar, encore autre situation, c'est que le mari a eu un rapport avec la femme, avec sa femme depuis le moment où elle s'est isolée. On avait déjà évoqué le principe que le mari, depuis le moment où il a averti sa femme, si elle s'est isolée, il n'a plus le droit d'avoir de rapport avec elle. Si toutefois il a eu un rapport avec elle, il doit la prendre à l'amener au Beit HaMikdash directement, le plus vite possible, pour la faire boire dans la zone de la Sota. Si, entre, dans ce laps de temps, pendant qu'il était en route, donc pour partir pour venir au Beit HaMikdash, ça leur a pris 2-3 jours, ils se sont retrouvés dans un hôtel, peu importe, et ils ont eu un rapport entre eux, c'est fini. L'eau de la Sota ne veut plus vérifier. Maintenant, qui est le fautif que les eaux de la Sota ne vérifient plus? Le mari. Alors, je me suis engagé à lui donner 100 000 euros si le jour où je la divorce. Elle s'est mise en porte-à-faux, parce que maintenant elle s'est isolée. Elle devait se faire vérifier. On était en route pour aller se vérifier, elle était d'accord pour se vérifier. Et moi, j'ai perdu toute possibilité de vérifier la situation. Pourquoi? J'ai eu un rapport avec elle alors qu'elle m'était interdite. Qui est le fautif qu'elle perde son argent? Moi, le mari, dans ce cas-là, dans telle est Ktubata Veloshota, il devra lui donner la Ktuba et elle ne pourra plus boire. C'est le mari qui a brûlé. Il avait une preuve. Imaginez que j'ai une preuve que je vous dois. Vous avez une preuve que vous ne me devez pas de l'argent, et cette preuve-là, je la brûle sans vérifier est-ce que c'était une bonne preuve ou pas. Quel fautif? Moi, j'ai perdu, moi, la possibilité de vous laisser la possibilité de vérifier que je vous dois de l'argent. Dans ce cas-là, je vous dois cet argent. D'accord? C'est le même principe. La femme, elle devait. Le mari lui doit de l'argent, elle s'est mise en porte-à-faux, le mari a brûlé la preuve, a détruit la preuve de la femme qu'elle pouvait rapporter. C'est-à-dire, sa possibilité d'aller boire, c'est le mari qui a activement perdu cette possibilité, lui fait perdre cette possibilité, c'est lui le fautif, il doit lui donner la ktouba, d'accord? Maintenant, une petite nouvelle situation, avec une machloquette, Beit Shammai et Beit Hillel, metu ba'aleihen velo shatu, ad shelo shatu. Le mari est mort jusqu'à que la femme a pu boire la ktouba. Question profonde, qui touche à des dynamas monotes, très très important. Je reprends. Le mari s'est engagé que le jour où il divorce sa femme, il doit lui donner 100 000 euros. La femme, elle s'est conduite indignement. Elle s'est isolée alors qu'elle a été prévenue de ne pas s'isoler. Pour le moment, elle est en porte-à-faux. Est-ce qu'elle va avoir sa ktouba ou pas? Ça dépendra. Est-ce que les autres de la Sota vérifieront? Il y a eu un problème maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le mari, il est mort. Donc la femme, elle va voir les héritiers du mari, elle dit, hey, votre père, il me devait 100 000 euros le jour où il meurt ou il me divorce. Les enfants vont lui dire, écoute-moi, tu t'es isolé, va savoir qu'est-ce qu'on aurait eu. Peut-être qu'elle aurait explosé, tellement qu'elle aurait gonflé. Elle lui dit, peut-être oui, peut-être non. Moi, il me doit, je dois pas. Qu'est-ce qu'on fait? La raison, qui a raison dans cette histoire? Mais tout bas, l'aine à Tchelo Château. Le mari est mort jusqu'à ce que la femme n'a pas encore eu l'occasion de boire. Qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, Beit Shammai Omrim, notelot Ktuba, velo Château. Le mari, maintenant. D'abord, je traduis, après j'explique. Beit Shammai nous dit, notelot Ktuba, elle récupérera la Ktuba, mais velo Château, elle boira pas, elle n'a pas besoin de boire. Ou Beit Hillel Omrim, lo Château, velo notelot Ktuba. Et selon Beit Hillel, ni elle boit, ni elle reçoit sa Ktuba. J'explique. Quoi qu'il arrive, il n'est pas question de faire boire une femme si elle n'a plus de mari. Son mari est mort, on ne la fera pas boire les eaux de la Sota. Ça, c'est sûr. Il faut nécessairement le mari qui fasse boire sa femme. Cependant, est-ce qu'il faut quand même lui payer la Ktouba ou ne pas lui payer la Ktouba? Marloquette. Quelle est la marloquette? C'est très profond. La marloquette de Beit Shammai Beit Hillel. Parce que Shtar Omed Likvot, ça apparaît plusieurs fois dans le chasse. Shtar Omed Likvot qui est Gouidomé. Lorsque j'ai un contrat là, une reconnaissance de dette que vous me devez de l'argent, est-ce que ça veut dire que l'argent qui est écrit ici, je l'ai dans la main ou pas? C'est une question très profonde. Qui doit l'argent à qui dans l'histoire? Le mari doit payer à la femme, donc la femme, elle ne peut plus prouver. C'est-à-dire, je vais m'expliquer un peu mieux. La femme, elle a un droit de recevoir de l'argent. Mais est-ce que cet argent, pour le moment, tant qu'elle a perçu, c'est un acquis que le mari doit prouver qu'il ne lui doit pas cet argent? Ou est-ce que ce n'est pas un acquis que elle doit prouver que le mari lui doit? Vous avez compris? La question, elle est profonde. Qui est Mourzak dans l'argent? Vous savez bien que chaque fois qu'on a un doute, on a la grande règle, Zeklal Gadol Bedin, Amotsir Khadurala Veraya, quand on a un conflit d'argent, première chose que le juge fait avant de savoir qui a raison, qui a tort, d'abord où se trouve l'argent. Depuis, là on va réussir à le mettre, on a des règles, comment décider où l'argent se trouve. Maintenant, qui est celui qui réclame cet argent? Est-ce qu'il vient avec des avis fondés pour retirer cet argent ou non?
Donc la question de base, elle est de savoir qui est mourzak dans l'argent, à qui est l'argent. Vous allez me dire, bah, si j'aime moi et ma femme, j'ai écrit dans le Ktouba que je lui dois 100 000, pour le moment, l'argent il est chez moi. Il y a un doute, est-ce que je lui dois parce qu'elle s'est isolée ou parce qu'elle s'est pas isolée? Ah, elle de prouver, vous allez me dire. Ça, c'est la vie de Beth Hillel. C'est la femme qui est motzia mechavero, c'est la femme qui vient sortir de l'argent. Là, Beth Hillel vient dire, écoute, tu viens avec un papier qui dit qu'on te doit effectivement, mais on a un doute, est-ce que ce papier il est juste ou pas? Parce que peut-être qu'entre-temps, elle s'est isolée et que dans ce cas-là, on ne lui doit rien. Elle va savoir ce qui s'est passé quand ils avaient la porte fermée. On ne peut plus vérifier. Dans le doute, tu récupéreras pas ton argent, c'est la vie de Beth Hillel. Beth Shammai va me dire, non, pas du tout. Shtar omed likvot kegavuidomi. Un shtar où il y a écrit qu'il y a une reconnaissance des dettes, c'est comme si qu'il est déjà dans la main. Ça signifie que la femme, elle dit, écoute-moi, quand il y a écrit ici que tu me donnes l'argent, cet argent-là, je l'ai dans la poche. Toi, tu viens contester que peut-être que tu dois le récupérer, cet argent. À toi de prouver que tu dois le récupérer. Pour le moment, c'est la femme qui est mourzak. C'est la femme qui est à la chazaka chez elle pour le moment, que jusqu'à preuve du contraire, c'est dans ses mains à elle. Il y a une situation de doute qu'il faut prouver. On ne réussit pas à la prouver parce que maintenant le mari est mort. Eh bien, tant pis, la femme, elle reste avec ce qu'elle a dans la main. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Elle a un droit de récupérer 100 000 shekels. Elle récupère 100 000 shekels. C'est la vie de Beth Shammai. Et bien évidemment, la halakha établit, comme Beth Hillel, que shtar a omed likvot, lav kegavui dami. Un shtar a une reconnaissance de dette qui est apte à se faire récupérer. On ne considère pas qu'elle a déjà été prélevée pour le moment. Et donc, c'est la femme qui doit prouver, et elle ne peut plus prouver, donc elle perdra sa ktouba. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.